Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans Game Découverte. Aujourd'hui, je vous parlais de Close to the Sun. On va aller faire un tour dans les réglages déjà, histoire de configurer le jeu comme il faut. Voilà. Alors, le gamma. Hop. Bon, on laisse à fond les ballons, voilà. Sinon, après, on a un jeu qui est trop terne et ça rend pas très bien à la capture. Ah. En français, ouais, c'est ça que je comprends le mieux. Voilà, tout à fond, c'est ce qu'il faut. Par contre, ma page des touches, ouais, mais il y a pas, quoi. Il y a de fortes chances que ce soit un jeu qui soit calqué sur un clavier QWERTY, donc WSAD, hein. Moi, j'utilise un clavier qui est programmable. Donc je vais de suite le basculer en mode jeu QWERTY AZERTY, voilà. Là, après vous pouvez utiliser des émulateurs de touches du style GlovyPy, non GlovePy plutôt, je me trompe. Je vais utiliser une époque et ça marchait très bien. J'en profite aussi pour vous dire si le jeu vous a plu, la vidéo, enfin tout, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, un petit commentaire. Voilà, volu. Allez, c'est parti. Nouvelle partie. Ouais, je suis sûr. Alors, nanana. On sera touche de zoom. Virtuosité. Ils auraient pu mettre une police ouais, qui prend les accents. Allez. Commencez, voilà. Ma chère sœur, je suis partie soudainement et sans t'avertir. Pour cette raison, pas et bien, pour d'autres ça. À venir, je suis désolée. En allant sur l'Hélios, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je savais juste que mes recherches pourraient changer le monde. Ça me rappelle Soul Calibur. Et on l'a fait. Pas vraiment comme je me l'imaginais. Comme ça, pas encore, en tout cas. Je veux maintenant tout expliquer, pour que tu vois qu'il n'y a rien à craindre. Tu as toujours essayé de me protéger, ma grande sœur, mais c'était écrit. C'est à moi de te protéger maintenant, si les choses veulent bien se dérouler comme elles le doivent. Les aléas de la vie nous ont tenus éloignés, mais ça va changer. Nous avons besoin de toi sur l'Hélios, avec moi. Je te fais parvenir un récepteur. Avec ça, nous pourrons communiquer grâce à ces signaux. Tu ne dois pas comprendre grand-chose de tout ça pour l'instant. Ouais, mais je sais bizarre, que tu tiendras ta promesse. Je t'aime. Steampunk. Ça manque un peu de détails tout ça, Ada. Tu pars sans rien me dire et maintenant tu me veux sur l'Hélios. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Ouais. Tu dois cacher des trucs, la frangine, là. Bon, alors, est-ce que mon clavier... Oui, ça répond, c'est cool. Ah, hop, on s'échappe. Bon, tout se gère avec la souris en fait. Ah. Au niveau des mécaniques, ça me fait un petit peu penser à Cyberium. Ah oui, j'en profite aussi pour vous dire que ce petit jeu. Il est gratuit jusqu'à jeudi sur Epic Game Store, hein. Close to the Sun. Donc, en profiter, hein. Là. Là, on avance par là, parce qu'avec les chaînes, je doute qu'on puisse franchir. Hein. En même temps, c'est le prologue, donc c'est la petite production au gameplay, hein, voilà. Donc avec Shift en cours. Là. Et on ouvre la porte. Voilà. Ah, c'est tout joli. C'est qui pilote personne? Bon, ben j'appuie sur le bouton. Allez, let's go. Les frontières d'Hermès, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui va nous arriver, Hélios? Gauche ou droite, ouais, bon,
d'importance, hein. Ah. Le Je pont qui pensais que le grand s'amène. Hélios serait plus animé. Je suppose qu'Ada n'a dit à personne que je venais. Elle en incognito. Oh, il faut avancer pour monter. Autant pour moi. Laisse tomber. Oh, ils auraient pu ranger le bordel là. Ça m'aurait évité de faire l'escalade. L'Hélios, une mission scientifique qui navigue dans le luxe pendant que le reste du monde doit se débrouiller tout seul. Eh ben. Inventons les œufs de main. C'est tout à l'abandon ici, on dirait, non? Je vais devoir m'inviter toute seule. Il a une tête à faire peur, lui. Mon Dieu. Allez, on active. C'est joli d'un coup. La petite musique qui m'accueille, tranquille, Bill. Hein. C'est ce qu'il faut. Bon, et la frangine, elle est où dans tout ça? On va courir un petit peu quand même. Pour hein. D'aller plus vite. Ward & Cliff, une société qui distribue de l'électricité à la moitié du monde et qui a soif de conquérir l'autre moitié. Êtes là, Arbor. Pas ce que c'est. Trouve pas plus. Ah ben, okay, d'accord. Et voilà, on se faufile. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Quarantaine. Une quarantaine? Dans quoi est-ce que tu t'es fourré, Ada? Mais voilà. Super. C'est fermé. Pas de retour possible. T'es chamboulé ici, qu'est-ce que c'est délire. Bon, on fait la fouine partout. Un passeport, on dirait. Ma foi. On fait comme dans Hitman, on prend un déguisement et on se fait passer pour quelqu'un d'autre. bagagiste? Y'a quelqu'un? C'est quoi ce bordel? Oh putain. J'ai l'impression que je suis pas seul ici, moi. Allez hop, on passe par-dessus. Avec baraque. C'est vert ça, on a pu. Ben voilà, c'est activé, c'est grillé, super. Unico. Attends, mais je rêve. Oh non. C'est du sang, c'est quoi? Ascenseur droit devant. Bon. Ouais, là c'est rouge. J'ai vu un peu de vert là. Oh, oh c'est bloqué. C'est génial. Il ça va être la même, non? Ben voyons. Qu'est-ce qu'on a ici? Putain. Les portes qui claquent comme ça, ça fout les jetons, c'est abusé. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, le fait d'hiver, c'est joli ça. Ici Nikola Tesla qui vous parle. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce navire est sous quarantaine stricte. Ouais. Personne n'est autorisé à embarquer sur l'Hélios ou à en débarquer. Mais je suis là. Et pourtant, vous voici. Encore un espion envoyé par Edison, je suppose. Peu à
importe. Les déplacements dans le navire ont été restreints. Amis ou ennemis, attention où vous mettez les pieds. Eh bien, quel accueil chaleureux. Tu l'as dit, qu'est-ce que tu as bien pu faire à ma sœur? L'imprimante au nom de la marque, d'accord. La compagnie machin, là. Gordon Cliff. C'est vert, mais j'en profite. Hein. Donc, il y a pas mal de leviers à activer. Parfait, plus qu'un. Ah, peut-être. Alors, on peut pas bousculer le tabouret cette fois. Vapor. Menace imminente. Qu'est-ce que c'est que ça? Par ici. Ouais. Étrange. À qui était destiné ce message? Ouais. Pas une bonne question. Pourquoi on continue à farfouiller, essayer de retrouver la frangine? Là, je sais pas dans quoi c'est foutu, elle, mais. C'est un joli bordel, quoi. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Page d'un journal, voilà. Donc, ouais, comme je disais, faut fouiller partout, faut faire la fouine, hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Si tu veux choper l'échelle, merci. Alors, j'ai activé une porte d'un côté de la porte de l'ascenseur. Hein. Donc c'est vert, c'est qu'on peut passer, je suppose. Ah, hop, hop. Voilà. Non, mais décidément, tout est fermé dans ce truc-là. C'est toutes les portes. Oh putain. Au niveau de la musique, quoi, ça, on est... oui. Cafard ou je sais pas quoi, bien, saleté. Horrible. Ok. Bon. Bon, elle tourne comme ça un par un. Ok. C'est donc ainsi que les espions supposés d'Edison étaient interrogés à bord d'Helios. Eh ben... Quand mon éditeur va apprendre ça... L'enveloppe de l'instrument. Donc, quoi s'est foutu la frangine? Oh. Donc faut que j'arrive à activer l'autre truc. Bien, tu l'indiques avec une lampe quand c'est ouvert ou pas. Pas la peine, c'est rouge, donc on peut pas passer. Bonjour. Il y a quelqu'un? C'est pas grave. Bon, ben... Au revoir. Ok. Service pour nettoyage. Bon. Ah, c'est vu, c'est fait. Ah. Vraiment, il ne devait pas être trop aimé. Et on fait une jolie caricature. Ça s'ouvre. Pourquoi ça ne s'ouvre pas quand j'essaie d'ouvrir les portes? Bon ben là c'est pas à faire la fouinasse. Putain! Le truc ça te fait sursauter des fois. Concentré dans le game. Donc oui, j'ai pas trop le temps de lire un petit peu ce qui s'y passe. Hein. Agent d'Edison confirmé?
On dirait que leur rivalité est inchangée. Ah. Bon, ça m'apporte pas d'autres trucs. Bon. Tout écran en anglais, c'est un peu dommage. Ah, le même mécanisme que tout à l'heure. Je me mets en face, voilà. Non. Alors, l'autre côté alors. Non plus. Donc oui, au bout d'un moment, faut tourner un petit peu dans tous les sens pour que ça se déverrouille. Hein. Bien. Ça devrait suffire. Voilà. Mon ascenseur est disponible. Chouette. Décidément, des passeports en appart. Et j'en sais pas plus, quoi. Ça va être bloqué, tu vois. Ah, tiens. Comment que c'était pas prévisible, l'histoire du jet de fruits? Ah, c'est ouvert. Non. Rien n'est ouvert. Bon, ben, on va aller se rendre à l'ascenseur. Et voilà, quoi. Voilà, vu qu'il n'y a plus rien à faire ici. Ah, il est là. Allez, l'ascenseur. Emmène-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, ça va être comme une carte d'accès. Bon. Écoute, on active. Putain! C'est quoi ce bordel? Qu'il est flippant, lui! Merde! Pas qui c'est? Oh la vache! Il m'a bien foutu les jetons, le gars, là. Et puis, sur ce, les amis, ben, je vais en rester là, je vais pas vous voyez plus de détails du jeu. Non, bien au contraire. Le jeu est gratuit jusqu'à jeudi, donc en profiter. Quand c'est gratuit, profitez. Allez! Amusez-vous bien. Bye bye.